La droite AC est tangente en A au cercle, dont O est le centre. Si alpha est la mesure en degrés de l'angle OAB et X celle de l'angle BCA, alors X est égal à une de ces cinq réponses. Question, laquelle? Nous savons que le triangle AOB est un triangle isocèle parce que AO, c'est le rayon du cercle et OB aussi. Et par conséquent, les deux angles de base ont la même amplitude. Cet angle ABO, c'est un angle inscrit qui intercepte cet arc de circonférence violet AD. L'angle correspondant au centre qui intercepte le même arc de circonférence, c'est l'angle AOD. Son amplitude vaut donc exactement le double de l'amplitude de cet angle circonscrit. Donc l'amplitude de l'angle magenta, c'est 2 alpha. Comme la tangente au cercle CA est perpendiculaire à ce rayon AO, nous avons là un angle droit, et donc le triangle CAO est un triangle rectangle. Nous savons que la somme des deux angles aigus de tout triangle rectangle doit être égale à 90 degrés. Et par conséquent, X est égal à 90 degrés moins 2 alpha. Donc la réponse correcte, c'est le C, 90 degrés moins 2 alpha. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.